Comment la faire jouir tellement fort qu'elle va parler de toi à ses copines? J'adore ce sujet. Ouais, 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 ouais. C'est quoi, sexe? On va parler de ça. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous aidons les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friend zone pour enfin oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Alors, ce que je vais te dire juste après, eh ben, ça a été validé par une sexologue avec qui j'ai déjà eu une relation. Et quand je lui ai fait ça, elle m'a dit « Ouh, toi tu sais comment utiliser tes doigts ». Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me dise ça? D'abord, en préambule, et je sais que Paola, je t'apprends rien. Je me demande si c'est même pas toi qui me l'as expliqué à l'origine. Le coup de clitoridienne versus vaginale. Ah oui, c'est la même chose. Ouais. Clitoridienne, vaginale, tu sais, il y a une fausse distinction que les gens font. Ouais, est-ce que t'es clitoridienne ou vaginale? Bah peut-être toi t'es la mieux placée pour nous dire en condensé. En gros, c'est quoi le truc? En gros, prétendument chez la femme, il y aurait deux types d'orgasmes. Un orgasme qui arrive par stimulation extérieure, donc l'orgasme clitoridien. Qu'on attache faussement à des filles immatures, des filles jeunes. Et il y a l'orgasme de la femme mature qu'on met sur un piédestal, qui est l'orgasme vaginal, qui vient avec une stimulation profonde, donc avec la pénétration, avec des doigts, des objets, des pénis, enfin bref, voilà. Et en fait, La distinction, c'est juste la stimulation, parce que tous les orgasmes sont clitoridiens. Parce qu'en fait, le clito, c'est pas juste un petit bout qui ressort à l'extérieur, c'est un orgasme très profond. Ça donne des orgasmes. Enfin, les deux. Mais donc voilà, c'est un organe profond avec deux racines qui entourent l'entrée du vagin. Et en fait, la stimulation par la pénétration stimule en fait le clitoris et pas le vagin, parce que le vagin, c'est un muscle, et l'organe du plaisir, c'est le clitoris. Donc toutes les femmes sont clitoridiennes, voilà. et ce qu'on appelle un orgasme vaginal est en fait un orgasme clitoridien. C'est ça. Alors, cela étant précisé... D'où l'extrême importance de ne pas oublier le clito quand on couche avec une femme, parce que c'est quand même le petit bouton magique. Alors là, ce que je vais te montrer... C'est quelque chose à faire avec tes doigts et qui va te réconforter si jamais tu penses avoir un sexe pas assez long. Ça va te réconforter qu'en fait, il n'y a pas besoin. Parce que figure-toi, il y a une zone de sensibilité maximale dans le vagin de la femme qui est à peu près 8 cm. Donc à peu près bah, cette longueur. Et justement, eh ben, si tu insères tes doigts comme ça, Ça peut être un doigt ou deux doigts. Là, je vais utiliser deux doigts en partie parce que sinon, tu vas avoir l'impression que je te fais un gros doigt. OK. Alors, tu mets deux doigts et tu fais un petit mouvement. De crochet. Ouais, de crochet, comme si tu faisais « viens ici ». Le crochet magique. OK. Donc c'est genre « viens ici », un petit mouvement de crochet. Et là, tu vas sentir dans sa communication non-verbale que ça fera probablement beaucoup de plaisir. Et c'est intéressant parce que ça prouve donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse verge pour apporter beaucoup de plaisir à une femme. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles n'aiment pas les grosses verges, mais ça c'est plutôt quelque chose de psychologique parce qu'on l'a traité dans une autre vidéo. Une grosse verge, c'est un peu comme une grosse musculation. C'est un facteur de dominance psychologique imaginée. Mais ce n'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que... Les petites verges dures, c'est mieux que les grosses, parce que quand le sexe est trop gros, en fait, ça a tendance à écraser un peu les organes du plaisir, parce que c'est tout distendu, en fait. Du coup, les organes deviennent moins sensibles, alors que si le sexe est plus petit, ça va pile frotter de la bonne façon. Et alors, le truc magique, c'est si tu as un sexe un peu, crochu, entre guillemets, ben, qui remonte beaucoup
Comme une banane. Ouais, voilà, genre une banane vers le haut. Une petite banane. Mais alors ça, c'est la vie, c'est magique. Ce type de sexe, c'est les sexes magiques qui font jouir à tous les coups. Et ben voilà, parce que ça fait ce même, voilà, cette même forme que je vous préconise de faire avec vos doigts. Et ben c'est... Si tu as une bite crochue, sache que t'as toutes les capacités pour devenir un magicien du sexe. Alors sur ce, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos dans la même lignée. Clique sur like, commente en dessous si tu as déjà essayé cette manœuvre. Je sais pas si elle a un nom, cette manœuvre. Le viens ici. On va l'appeler comme ça. Le viens ici. Et si tu l'as pas encore, télécharge mon guide PDF qui est dans la description en dessous. C'est pour adopter et cultiver les 4 compétences clés qui vont t'aider à rencontrer, attirer et charmer la femme qui te plaît. Et sur ce, à demain. À demain. Au revoir.